Kelso. Un solo mele tati. En ova. Azela siwa ya. Leke wo kaka nya. E tonye plombe dae nyanga egbole etude me yina mazia. E to plombe dae nyanga egbole tuade me. Nyanga yina wazia. Ye nuka yu trona, nuka yu trona la alome. Ngbla anye benu osugba. Hein? Ogbli no benu osugba. Ifia yu trona la alome, nuka yu so so trona, kengba ojo na. La fillette dit que entre temps son papa l'avait laissé auprès d'une vieille qui l'avait recueillie, et c'est là que la vieille lui a transmis l'esprit de sorcellerie. Elle a détruit totalement la vie de sa maman qui l'a engendrée, et elle a même introduit une maladie au pied, et elle a fait beaucoup de choses avec sa maman. On lui a demandé, elle se déguise en quelle sorte d'animal? Avant de sortir toutes les nuits, elle a dit qu'elle se déguise en hibou avant de sortir les nuits pour aller dans la réunion des sorciers. Elle fait partir de l'église de Pentecôte ainsi que sa maman. Mama evio ya. Vinye. Azele si ke mi le bia. E ko deliverance le fi ave beden to kem dogbe dadeta. O cha onyande nene. Ni me nyande pepe nene ma so nti o. Nye ku wa to mi ngbale. Ni mi asenya. Nye ku wa to mi ngbale ju o. Mi ngbale ju o. A o vo de vio patan gbonye o le. Vakas ko ho pe de to ame. Ye e to va fin jo le gbonye. De me vers sama oh oh vacances et toi fi et va colo de via sojo sauve da de colo copé la ngé ngé copé de la ngé ngé ye de via de view agbanyanu e be na de ye no so ye e to be da de e du de me enya la tin yo funu ajo kin gbe ta gba yo funu o sia yo papa me se pentecote ye me ina enye mbe o ye kan boye ma va ho de via. Je suis un token de ma vie. 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 Je suis un token Musana akoduku ntie akoduku don ti no omule zore ah nti ko mo ve sagbo nti ko mo ve plegbova ma do homa adoglo no te pam lo homa adoglo aye mele nya kwa enyo to me fiti dani mo wo wotre mo onyale homa nkwa ye enyo to me fiti dani yo jani ye kwa fo ya ton veve kaka donegba fo kwa ya fo to veve kaka ye ji ko mele ya
Jésus a vaincu pour vous. Jésus a vaincu pour vous. La maman reconnaît que au cours des vacances dernières, son mari était venu prendre sa fille à son absence et aller la laisser auprès d'une vieille. Et c'est là la vieille lui a transmis l'esprit de sorcellerie. Alors quand la jeune fille est revenue, la maman dit qu'elle a commencé par avoir certaines révélations, elle a commencé par faire certains rêves sur elle. Elle lui a posé la question de savoir si elle est possédée de l'esprit de sorcellerie. La fillette a nié, elle a refusé d'accepter à la question que sa maman lui posait. Mais ce soir ici, le Seigneur a dévoilé les secrets. Elle dit qu'elle est revendeuse de fruits. Un jour, elle était allée acheter des fruits, elle est revenue à la maison. Elle voulait rentrer dans sa chambre, du coup, elle a vu un lézard qui était au niveau de son portail. Du coup, elle a voulu renvoyer le lézard du lieu où il était. Et subitement, elle s'est retrouvée par terre. C'est depuis ce jour qu'elle a commencé par traîner des douleurs de pieds. Elle a dit que ses pieds étaient grandement enflés. C'est par la grâce de Dieu qu'elle suivait les émissions de l'homme de Dieu via la radio JVA qu'elle est guérie de ses maux de pieds. Alors, la fille aussi l'a dit tout à l'heure qu'elles ont jeté un sort de maladie aux pieds de sa maman. Mais ce soir, le Seigneur a vaincu pour elle. Acclamons le Seigneur Jésus pour leur vie.